Mes chères sœurs, Première Dame, Mesdames et Messieurs, le ministre de la Santé publique, Monsieur le Président de la prestigieuse Fondation Merck, Mesdames et Messieurs, le responsable et membre de la Fondation Merck, éminentes personnalités et chercheurs venus des quatre coins de la planète, distingués invités, Mesdames et Messieurs, flattés par le charme et la beauté des pyramides et du Sphinx, ainsi que les merveilles des civilisations millénaires de la Grande Égypte, je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à ma sœur Intissar al-Sissi, première dame d'Égypte, aux autorités égyptiennes, ainsi qu'aux responsables et organisateurs de cette quatrième conférence annuelle Merck Africa Asia Luminary, pour l'accueil cordial et très fraternel qui nous a été réservé dans cette historique ville du Caire. Le choix de la ville du Caire pour abriter cette quatrième édition du Merck Africa cadre bien avec la dimension qu'on implémente à la vision globale de cette institution qui entend fédérer toutes les forces et les énergies sans restriction d'espace géographique pour vaincre les maux qui freinent le développement et l'épanouissement des femmes. La salle de la conférence qui accueille aujourd'hui la crème des pionniers et éminence grise de la santé et de la médecine, témoigne de la volonté de toutes et de tous d'assurer à l'humanité un monde meilleur et solidaire, débarrassé d'égoïsme, de stigmatisation et de clichés sans réel fondement. Mesdames et messieurs, la problématique de la santé publique et la récurrente question de la santé de la femme préoccupe au plus haut point le gouvernement de notre pays, le Tchad, qui a non seulement fait de celle-ci un axe majeur de sa politique, mais consent annuellement à ce secteur vital le budget le plus conséquent de l'État. Et cela à juste titre, car sans des hommes et des femmes en bonne santé, il n'y a point de développement. La quatrième conférence annuelle de Merck, Africa Asia Luminary, se tient aujourd'hui au Caire, en terre africaine, et je suis l'une de ceux et celles qui ont la responsabilité de développer un thème perçu en Afrique comme tabou, sensible et délicat en raison des considérations parfois subjectives qui l'entourent et des préjugés qui le cristallisent. Il s'agit du renforcement des capacités de santé et l'habilitation des femmes stériles dans le pays. Nonobstant les luttes apprenantes menées en vue de rétablir la femme africaine dans ses droits les plus légitimes et lui donner la chance de contribuer au développement de la société, les pesanteurs sociales et certaines pratiques néfastes et dégradantes la relèguent à un rang inférieur au point de l'empêcher de s'exprimer, d'extirper les maux qui la rongent et d'accepter malgré elle de vivre en silence ses souffrances. S'agissant de la stérilité des femmes en Afrique, j'insiste sur le continent africain parce que les réalités dans nos pays respectifs sont partout quasiment les mêmes. Il faut avouer que le nombre de femmes stériles est important et la courbe statistique ne cesse de croître en raison de l'ignorance, de la méconnaissance et surtout de l'analphabétisme de beaucoup de femmes. La question est tellement taboue qu'on n'ose pas en parler pendant qu'elle fait des dégâts énormes. C'est lorsque la femme ou la famille constate qu'après des années, l'arbre ne donne pas de fruits qu'on recourt le plus souvent à la médecine traditionnelle, sans résultat probant, au charlatanisme, au maraboutage, alors que le problème relève de la médecine moderne. Non, on doit avoir le courage et la responsabilité d'aborder cette question de la stérilité qui fait souffrir des milliers, sinon des millions de femmes. Elles en souffrent énormément.
Les femmes stériles sont la risée de la société. Elles sont les parias et les malheurs de la communauté. Nos sœurs frappées de stérilité vivent la peur permanente, la hantise, le chagrin et meurent à petit feu, parfois par ignorance, parfois par méconnaissance et surtout le manque de sensibilisation. Mais il faut briser le tabou parce que le progrès de la médecine nous a offert pas mal d'opportunités. La stérilité n'est pas une fatalité, elle se soigne grâce au progrès de la médecine. Au même titre que le VIH-Sida, le cancer, le paludisme et autres maladies invalidantes, la stérilité doit nous préoccuper tous. Car nos sœurs victimes de la stérilité ont besoin d'une attention particulière, de notre assistance et de notre chaleur quotidienne. Non, il nous faut donc un travail profond de sensibilisation pour amener nos leaders d'opinion, les gardiens de la tradition, à ne pas se cristalliser sur des idées réfractaires et le comportement rétrograde, empêchant les femmes de se faire consulter régulièrement. Mes chères sœurs, premières dames, notre plaidoyer sera beaucoup plus orienté vers le pouvoir public, les décideurs et les partenaires pour une réflexion minutieuse tendant à une prise en charge des femmes stériles afin de les libérer de cette angoisse et de ce stress permanent. Dans ce plaidoyer et les actions à court terme, moyen et long terme à mener, nous comptons énormément sur la Fondation Merck Africa Asia Luminary, dont la riche expérience et l'expertise contribueront certainement à réduire le taux de la stérilité chez les femmes et surtout d'éradiquer ce fléau qui réduit considérablement le progrès de l'humanité. Mesdames et messieurs, je voudrais pour finir réitérer tous mes remerciements aux autorités égyptiennes et à la Fondation Merck pour l'opportunité qui nous est offerte afin d'échanger sur une question aussi importante touchant la santé et la reproduction et l'épanouissement de la femme. Je souhaite plein succès à nos travaux et merci pour votre bien aimable attention.